Ouais. No parece del pie, parece de la mano. Parece de la mano. Porque ¿Es suelto? Es muy delgado. ¿Aplastado? Delgado. ¿Delgado? Sí, es suelto. ¿Narrow? ¿Etroit? Narrow. ¿Etroit? ¿Tenéis en España? Sí. ¿Tú ya sois dos. Juveniles o...? Ah, juveniles no. Todos adultos. ¿Dónde? Sí. Podría ser así. Cuando lo saquen, luego lo vemos. Sí, ya que un poco lo tienen fuera. Okay. Es TV, entonces no hay que esperar mucho. ¿Sí? Parfait. Tu l'as relooké? Hein? Version grande tacante. Avec une poche. Et sinon, donc au sondage B, c'était vraiment du stégosaure. Fémur de stégo, ouais. Et la vertèbre qui était prise pour de l'iguanodon, à la base, c'est du sauropode, caudale de sauropode. Donc sondage B, on a une caudale de sauropode et un fémur de stégo. Et à vérifier aussi ce qui est sous la tente prépa là, c'est un os qui a été trouvé l'année dernière et ça pourrait être, faudra vérifier après préparation, mais c'est soit un métapode de sauropode, soit un numérus de stégo. Ah ben donc on aurait quand même une bonne partie du stégo, enfin une bonne partie... Ouais, on a quelques trucs, ça commence quoi. Ouais. Stégo, c'est un peu... Et qui c'est qu'il a identifié? C'est d'Acentrovus. Ah oui, d'accord. Ça c'est chouette, ben, comme ça je pourrais peut-être le dessiner. Ben, ouais, différemment. Ouais. Mais bon, en même temps, d'Acentrovus, c'est pas un genre connu comme Stégosaurus. Hein. C'est pas, on n'a pas de squelette complet. Pas complet, ouais. Mais il y a des... Je pourrais te montrer une publi où il y a des tentatives de reconstruction. C'est pas vraiment comme Stégosaurus, c'est un peu plus épineux. Le genre d'épines qu'on pourrait trouver ici d'ailleurs. Bah ouais. On trouve dans toutes les pubis en Espagne, tout ça, il y a ça quoi. Enfin, il y a ce genre d'épines. Ça se trouve, on en a, hein. Des grosses esquilles, des... C'est des trucs qui font entre 10, 15, 20 cm. C'est des cônes avec une base un peu comme le truc que j'avais dégagé là. Bon, on n'y a plus là. C'est un peu foutu pareil. Hein. Ouais. Truc qui peut vite être pris pour un arctural si c'est un peu cassé ou enfin un fragment. Et ça vous avez vu ça là-bas au musée quoi. Ouais. Mais le fémur je... Tu le savais. Je trouve vachement aplati. Mmh. On avait déjà évoqué le truc et Rafa qui a l'habitude de voir les centres russes en Espagne. Tout de suite. Vertèbres, tout de suite il typique d'un centre russe, c'est les mêmes quoi. Puis le fémur, bah, il a dit ouais, c'est, ça le fait. Et donc par rapport à la datation, là on se retrouve donc. Là, c'est une bête titonien-bériasien, chiméridien titonien-bériasien, c'est un truc. Ouais, donc. Enfin, c'est terminal. Et ultra. Mais en même temps, ce qu'il disait, après, valanginien-autrivien, il n'y a pas de données en Espagne, nulle part. Donc ça se trouve, d'un centre russe, aller jusqu'au valanginien, sans atteindre le barémien, clairement, mais nous on est dans une période mal connue, c'est ça qui est pas mal. Quoi.